C'est toute une époque, de 1968, non? A occupé 1970, une tâche importante de 1970 à l'époque. 1980, bon, pendant toute cette époque-là, Quido a Quidor dominé. a dominé complètement la scène presque politique, théâtrale, culturelle. Tout le monde se rencontrait à la Maison française, À la Broadway. à Broadway, la Maison française de Columbia University. Là, Robert et puis Michel commençait la répétition avec. Il suivait les directives de Georges, de Denis, de Cito, de Jackie. Tout le monde parlait, discutait. Chaque mouvement était discuté. C'était à n'en plus finir. Donc, une pièce prenait pratiquement un an pour paraître. Parce qu'il y avait des discussions. Je discutais. Tu sais, Jackie était extrêmement rigoureux, il fallait que ce soit parfait. C'est comme ça. Il fallait que ce soit parfait. Et Hervé Denis voulait du mouvement et tout ça, beaucoup de flammes. Et tout ça se Et puis, faisait. sitôt Cito, c'était établissait l'équilibre. l'équilibre. Il parlait, il écrivait. La plupart des textes venaient de Castra et de Cito. De sitôt, oui. Donc, Il parfois, faut. on. Parfois, sur la scène même, pendant les répétitions, On changeait. on On changeait le changeait. texte de sitôt. L'acteur changeait pour sa changeait. commodité. Donc, et puis après, on a établi la musique. Parfois, dans les pièces, il y avait le tambour. Ah oui, il y a eu le Le grand tambour. tambourineur. Et comment il s'appelait? Comment il s'appelait encore? Chérisa. Chérisa, Chérisa, qui est venu il est jouer avec nous. venu dans, répéter à la Maison française. À la Maison française, on faisait des réunions politiques aussi. Venaient les autres groupes politiques pour nous attaquer, ou bien pour discuter avec nous, les petits bourgeois. Et puis, donc c'était un mouvement tout à fait, ça prenait en fait, ça prenait toute notre vie. Toute notre vie. Il faut aussi parler du succès de Quidor à la La Martinique. Martinique, le succès à la Martinique. Succès à New York, À parce que New York, dès qu'on faisait à la Maison France, à la Columbia University, université, quand on jouait des pièces, c'était rempli, complètement rempli. Moi, je faisais la porte avec, c'était pratiquement mon rôle, je faisais la porte avec Daniel Utino, Gigi Utino, tout ça. Mais c'était un. Quidor attirait le taux New York, hein, à D'ailleurs, l'époque. Quidor, c'est pourquoi, c'est aussi la mort de Quidor, parce qu'il y avait, on s'était soufflé à la fin, puisque personne ne touchait. Tout le monde faisait ça comme c'était tout à Et fait. à la Martinique, la mairie et la préfecture prenaient en charge Oui, les frais, les dépenses, les les frais de frais. voyage, les frais de voyage, Et les je dois frais de. insister sur la participation de Quido à la Martinique, parce que nous avons participé pendant près de 6 ans Ah oui, au festival de Martinique. au festival d'Aimé Césaire de L'Aimé la Césaire de la Martinique. Martinique. Et Quido, chaque année, était dans les journaux parmi les. Oui, Parmi les journaux les martiniquais meilleurs, en parlaient oh ouais, constamment. constamment. Donc, C'était. c'est pour ça que Cito a pris ça en héritage. Jusqu'à présent, il est choyé, il est invité à la Martinique pour des mises en scène, etc. Parce que Jacques faisait à la fin, Jacques faisait seulement la mise en La scène. mise en C'est-à-dire scène. que Cito écoutait, Cito produisait, et puis Jacques faisait la mise en scène. Parce que Jacques avait un talent Extraordinaire. extraordinaire pour l'espace. Ah, ouais. Le Ah, il te construit une scène avec des il a, planches. il, oui, avec des planches, il avait l'habileté pour construire réellement. Et puis, il avait cette connaissance de comment occuper l'espace théâtral. Comment faire rentrer un tas de signes. Parce que pour lui, le théâtre était aussi, non seulement parole, c'était aussi des signes. Des signes. On se parlait aussi on parlait au public par des signes. Donc le public devait lire non seulement ou bien écouter ce que disaient seulement les acteurs, mais aussi Le langage du le corps langage aussi. du corps, le langage de toute la mise en scène, de toutes les choses qu'on devait construire. Et Jackie s'y connaissait bien, bon, sûrement. Et
pour la... C'est pourquoi il est... Sa mise en scène était beaucoup plus théâtrale, je dirais, que la mise en scène beaucoup plus... Et qui, de Hervé Denis, qui était une mise en scène beau, très bien faite, mais qui n'essaie pas traditionnel presque qui n'essaie pas, qui n'essaie pas de temps d'espace pour l'imagination, pour la lecture, pour une lecture. Donc tu sais que bon, non, je te disais que cette mise en scène là, Jacques bâtissait des estrades. Il y avait des estrades au milieu, plusieurs niveaux. Et Jacques s'occupait aussi de la lumière, surtout au début de Quido, c'est lui qui faisait toutes les choses parce qu'il avait aussi ce sens de la lumière, de choses là. Donc, parfois, la lumière s'éteignait et puis on voyait seulement une estrade où quelqu'un apparaît, où Michel Aubry apparaissait, se mettait à gueuler. Donc, donc l'histoire, il y avait plusieurs histoires qui arrivaient. Sur chaque parfois, estrade, il y avait chaque estrade, une histoire. Donc, c'était extrêmement difficile. À parler de l'histoire de Quido, il n'y avait pas d'histoire, il y avait un tas d'histoires, il y avait un tas d'anecdotes, un tas de choses. C'était la parole des grands fonds. La parole des grands fonds, toutes ces paroles-là qui étaient. Qui explique tout, la parole des grands fonds qui vient des profondeurs. Qui sont des fonds que parfois on ne. Parfois qui sont parfois comme des cris. Mais tu sais que ça vient de l'enseignement de Jean-Marie Serrault. C'est Jean-Marie Serrault qui a. Et Jean-Marie Serrault, c'était un grand metteur en scène. De... Parce que Serrault nous plaçait en quelque part comme acteur et nous disait, par exemple, là tu es dans un tribunal. Et puis vas-y, tu es le juge, vas-y. Mais sans manuscrit, sans rien. Sans rien. Et puis il fallait inventer. Bon, la première fois c'était dur, mais la cinquième fois aux répétitions. Enfin, on parlait, je parlais. Et c'est justement ce que nous avons fait sur scène, avec ces estrades, où il y avait une histoire différente qui se déroulait. Qui se déroulait parfois. Sur chaque surtout, estrade. Même les actrices, les acteurs, tout ça, parfois ils trouvaient, pendant la répétition, ils faisaient un geste et on disait, ah, on va répéter ça. Et puis on prenait cette pile. C'est là que c'est compliqué. C'est une expérience où ce n'étaient pas des acteurs professionnels. C'était des gens qui, en général, à part Cito peut-être et Denis qui étaient des acteurs. Qui avaient joué sur scène. Avec un passé. Donc, mais je me rappelle, alors, je peux dire ça, bon, c'est Cito. On disait à Cito, bon, Cito, c'est cette affaire de jeune premier là, quand tu montes en scène. Parce que Cito voulait être beau garçon. Cito, il veut non. Tenait à son physique. Oui, à son physique. Il m'a dit non. Cito, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, donc il fallait être tout à fait naturel. Et on inventait, ces gens-là, les acteurs inventaient. Parfois, ils changeaient le texte, parfois on disait à Cito, ce texte ça ne tient pas debout ici. Et puis ça s'est changé. Mais c'était une parole comme ça. Là, il y a eu une grande pièce aussi qui a fait beaucoup de bruit. C'était Quel mort tu as l'empereur. Tu as vu ça, Quel mort tu as l'empereur. Tu vois, je peux dire aussi que tu as vu les textes. Il y a des textes déjà qui sûrement sur ça. Non Quel mort tu as l'empereur. J'avais ça à la maison, j'ai perdu tous mes papiers. Je peux dire que sur scène, il y avait, qui arrivait à s'entremêler des scénettes de la vie, même pas haïtienne, de la vie antillaise. C'est-à-dire qu'un fou qui vient est là, qui rentre, qui vient de nulle part, et qui est introduit dans la pièce, et ça passe. Parfois, et c'est pour ça qu'à la Martinique, justement, On a découvert que ce n'était pas un théâtre haïtien, mais un théâtre antillais, parce que les gens étaient fous de ce que nous faisions. Et puis, en même temps, il y avait les chansons. La musique, le tambour, tout ça, c'était toujours le grand fond. C'était pour le spectacle des grands fonds. Moi, je dirais que Quido a fait le spectacle des grands fonds. C'est-à-dire qu'une parole, une chanson, un geste qui vient des profondeurs et qui éclate sur la scène. Quel mot tu as l'empereur, c'est l'empereur, c'est Dessalines. Donc, c'est quel mot tu as l'empereur, je pense que c'est une question, c'est un questionnement sur Dessalines et la perception
des grands fonds sur des salines. Exactement. Vous comprenez ça? Donc, c'est sur la scène, il y a eu le français le et le créole qui se chantait. Moi, j'ai chanté aussi dans Quidoz, sans être chanteur. Oui, il chantait, il y avait tout. C'était tout à fait. Un théâtre total. Tout à fait complexe, total. Un théâtre total. Ouais. Qui venait de la gaguerre, que tu dis? La gaguerre de théâtre en rond. De ce regard du spectacle en rond. Oui, le théâtre aussi de. Quidoz a exploité ça. De l'ambatonnel, c'est-à-dire oui. Tahiti, c'est ça finalement. Un acteur a deux façons de s'exprimer. Il y a le texte qu'il dit et il y a son jeu. Son jeu scénique. Ce que j'ai trouvé dans Quidoz, c'est que le jeu scénique avec le corps était plus important que le texte. Et des fois, on continuait à jouer dans l'obscurité, même dans l'obscurité, on continuait à jouer sans ne rien dire. Donc le corps, des fois, dans Quidoz, moi je me pensais trapéziste. À la Martinique, par exemple, tu parles de balustrade, maintenant la mémoire revient, on avait installé des plateaux sur une scène. Et nous devions jouer simultanément sur chaque plateau. Et bien moi, je bondissais d'un plateau à l'autre. Et puis finalement, je me croyais plus trapéziste qu'acteur, que diseur. Donc le corps a joué un rôle beaucoup plus important pour moi que le texte dans l'expérience quidoïenne. Et puis, il ne faut pas oublier que ce texte a finalement, comme le disait Jean-Marie tout à l'heure, on finit par s'essouffler, à parler de la parole des grands fonds, à parler de Telsi, de Durena, du chaos, à parler du chaos haïtien. On commence à se répéter, parce que finalement, cette spirale-là, comme le dit Frère Étienne, tourne et reprend les thèmes du début. Donc je crois que le corps arrive à un certain moment. Moi, j'ai joué avec Arnold. C'est dommage qu'on ne sache pas où se trouve cet acteur qui est Arnold. On faisait une scène à un tribunal, Arnold et moi. Et puis, arrivé un moment, je remarque que Arnold a complètement oublié son texte. Voilà. Complètement. Mais c'est-à-dire qu'il me regarde et me le dit avec son corps. On cherche un problème. Je ne me souviens pas du texte. Eh bien, mon fils, on a joué. On a joué la scène avec notre corps, avec des bribes de paroles inventées comme ça qui tombaient. Qui rentraient dans le cadre. Et puis, mon cher, le public a dit que c'était l'une des meilleures scènes. Donc, c'est pour dire que la participation du corps, je me répète, a été extrêmement. Et puis, il y a eu la danse. Il y a eu des danseurs, des chanteurs, des tambourineurs. Oui. Chérizard, par exemple. Ce n'était pas pour moi un simple batteur de tambour. C'est un homme qui battait le tambour avec tout son corps. C'est-à-dire que M. Lupin, il mettait coude, il mettait tête, il mettait pied. Il y avait toutes les. C'était. Je me rappelle, on dansait le Yan Valou, ces choses-là. On dansait le Yan Valou. On dansait le Yan Valou sur scène. On dansait le Yan Valou. Le Congo, toutes ces danses-là se faisaient, tu vois, tout ça passait. Toute la culture haïtienne, toute sa beauté, avait été reprise par Quidoz et mise sur scène d'une façon vraiment artistique. Oui, le corps, c'était un lieu de signe. Un lieu de signe. Le corps n'était pas là pour montrer un bel acteur. C'était non, pour, du tout. Au contraire, c'était pour montrer. Régine me maquillait et m'enlaidissait. Oui, oui. Régine était fait une grimo matinée. Oui. Mes cheveux en rouge, comme on le fait maintenant. Et moi, je me plaisais à être comme une horreur sur la scène parce que je jouais avec ça. Telsi et Durena, c'était joué par des garçons, par des hommes, en fait, non? Telsi et Durena, c'était des hommes qui jouaient des femmes. Oui. Donc, c'est là encore, le corps a une participation et qui passait comme si c'était des femmes. Parce que la parole, ce qu'il disait, était une parole, en principe,
émises par des femmes. Par des femmes, oui. C'est ça. Elsie d'Aguena, Cito et Kenol. Et Kenol qui faisait Elsie de Duena. Ouais. Donc, il est. Qui passait de femme à garçon, de garçon à femme, mais sans problème. Parfois, tu sais, dans cette histoire-là, surtout avec Michel Aubry, qui oubliait très souvent ses textes. Michel jouait beaucoup avec son corps. C'était celui qui jouait très souvent, oubliant son texte, il faisait le corps complètement. C'est le corps qui parlait. Donc Des fois, il faisait les coqs parce qu'il oubliait son texte. Oui, le texte. Je pense même que le coq n'avait jamais été écrit. Jamais. C'est une scène qui a été complètement inventée par Michel sur la scène. Exactement. Je ne suis pas sûr, mais je pense. Parce que c'est parce qu'il avait oublié son texte. Parce qu'il oubliait très souvent. On a repris, ça faisait partie de la chose, tu vois. Parce que il y avait un déplacement à faire de cette salle, de ce basement là qui était complètement rectangulaire. Il fallait, quand on va répéter, en faire une pièce, une scène tout à fait circulaire. Donc c'était assez difficile. Parfois on nous donnait seulement la salle de Columbia. On nous donnait parfois avant le matin pour jouer la pièce. À ce moment-là, tout le monde passait la journée là à travailler constamment pour construire la scène, préparer la scène. À la Martinique, je me souviens. Aimé Césaire était déjà assis au théâtre que nous construisions la scène que nous préparions. Parfois, les gens arrivaient, on continuait à travailler. Ouais. C'était extraordinaire. Et le public le voyait naturellement. Ouais. Naturellement. Comme faisant partie du spectacle. Parce qu'ils se rendaient compte qu'on ne donnait pas la réalité telle qu'elle. Mmh. Mais une perception des choses, une perception de la réalité, puisque on savait qu'on n'était pas vraiment des paysans. Oui. Hein? Oui. On mimait pratiquement. Bon, oui. C'était pas le paysan, je ne sais pas moi, mais c'est comme j'ai compris ça pratiquement, tu vois. Donc le mot couille d'or lui-même disait bon, c'est un couille d'or, c'est-à-dire que un coup qui a été complètement peut-être une richesse. Il y a une contradiction aussi dans le mot coup. Oui. Parce que le coup en Haïti, c'est un autre bol dans ce cercle mendiant. Le mendiant pour demander. Pour demander de l'argent, donc que ça soit dans le nord. Oui. Tu vois, c'est ça. Oui. Tu vois, nous autres, nous venons avec un coup, mais pas pour demander, c'est pour offrir de l'or.